Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Niels Baranger de la société Chart Guidance. Aujourd'hui, en partenariat avec Ducascopy TV, nous allons vous faire un show d'analyse technique qui va couvrir en l'occurrence la parité de change dollar contre yuan, donc contre la monnaie chinoise. Et particulièrement, nous allons analyser la dernière poussée du dollar contre le yuan. Sur le premier slide, nous avons les premiers indicateurs. Nous avons une MACD Forest qui a accumulé une divergence positive depuis déjà plusieurs années, avec un premier croisement de moyenne mobile, qui est déjà une pré-indication de pression haussière. Sur l'image suivante, nous avons d'autres indicateurs. Nous avons les momentum. Alors une première programmation ici qui montre le momentum de surface qui est entré en territoire positif, ainsi que le momentum de fond qui lui-même est très proche de passer en territoire positif. Sur la troisième image, mêmes indicateurs, mais un graphique trimestriel. Nous voyons que le prix est entré en contact avec la ligne de pivot, alors que le momentum de surface, lui, s'approche de la mesure zéro. Le momentum de fond, lui, est encore mou. Néanmoins, c'est une construction qualifiée de positive. Sur l'image suivante, d'autres indicateurs. En trimestriel, nous avons ici une forte hausse du RSI. Mais beaucoup plus intéressant, nous avons un croisement, le Haroun positif qui croise le Haroun négatif. Ce genre de signal est un signal de fond. Nous avons ici eu un faux achat-vente qui correspondait à une espèce de un faux signal. Beaucoup plus intéressant, nous avions ici eu le signal de vente qui s'était manifesté au top du prix. Sur le graphique suivant, nous avons très intéressant la pression acheteuse qui est en train de monter alors que la pression vendeuse est en train de descendre. La variation baisse et le directionnel baisse, ça veut dire qu'un fort mouvement de fond va se produire dans les prochains mois, trimestres. Nous avons ici en signal le dernier fort signal de baisse qui a correspondu au top ici. Sur l'image suivante, nous avons les oscillateurs qui sont en train de tourner à la hausse. Ici, ils avaient tourné à la baisse au moment du top séculaire, manifesté également ici le top sur la MACD, qui elle-même a tourné positif l'année dernière. Donc il s'agit d'un signal trimestriel, signal de fond. Et puis finalement, sur ce dernier slide, nous avons quatre oscillateurs stochastiques lents qui ont fortement anglé à la hausse. Donc la conclusion est simple, le dollar va pousser à la hausse contre yuan, non seulement dans les prochains mois, trimestres, mais également sur quelques années. C'était la conclusion. Merci de nous avoir suivis. C'était Niels Baranger en partenariat avec Ducascopy TV. Merci beaucoup.